Salut, bonjour à tous et à toutes, c'est Anthony 27 et aujourd'hui on se retrouve pour le duel of sniper numéro 1. Donc le premier se passe dans Modern Warfare 3 en mêlée générale dans Terminal. Oui, je ne l'avais pas dit Terminal puisque je ne savais pas qu'il y aurait Terminal. Terminal est une des maps préférées de Modern Warfare 2, donc j'en ai purement profité. Le premier duel of sniper est en compagnie de Jeff du 27, donc là il n'est pas avec moi puisque je commente tout seul, ce n'est pas du live, je commente après l'enregistrement de la vidéo, donc voilà, là je réglais la sensibilité 5, je trouve c'est le mieux, enfin après chacun a sa façon de jouer. Donc voilà, j'ai pris le L118A, donc j'ai pas voulu prendre le MSR parce que sinon j'y arrive trop bien, donc je me lance un peu du challenge, je préfère toujours prendre le L118A, c'est... Je me sens plus à l'aise, même si avec le MSR je suis plus fort, je sais pas pourquoi. Donc voilà, nous commençons. Alors là, on s'est cherché, voilà, donc voilà, bim. Donc là je m'étais caché, un peu flippé. Et bim, voilà. Donc, ah non, voilà. Voilà, tout premier sang, le premier sang, premier tueur. Ça change de nom dans chaque Call of Duty. Donc voilà. Donc le match au début était très serré, je vous dis pas la fin. Je vous dis pas la fin, le match était très serré. Donc je mettrai pas dans le titre qui a gagné ou qui a perdu, comme ça je vous laisse suspense jusqu'au bout. Mais je laisserai un certain temps la vidéo et je l'afficherai je ne sais comment le résultat et le nombre de victoires et de défaites que j'aurai. Donc voilà, c'est la première et t'as du Jet du 27. Donc Jet du 27, je veux juste préciser que c'est le... Je l'ai toujours considéré comme le roi du noscope puisque il est plus fort en noscope que le quickscope, c'est vraiment incroyable. Il fait un noscope, il a une chance sur 2. Comme moi je suis un noscope, j'ai une chance sur, je sais pas, sur 50, sur 100 de faire un kill. Donc vous verrez tous mes noscopes, je crois que j'en ai réussi qu'un, mais ça sera vraiment collé, tu vois. Donc voilà, je dis tu vois, je vous tutoie, hein. J'ose vous tutoyer. Donc voilà. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos invitations dans le commentaire en disant la map Dôme ou Terminal. Alors voilà. Là, j'ai eu un petit bug, c'est, j'ai pas compris, il était au plein milieu de mon viseur et il m'a foutu le seum, premier quickscope, et il m'a eu, donc là j'ai du respect parce que j'étais un peu bouche bée à ce moment-là avec la vitesse dont il m'a capté et éliminé quand même. Donc voilà, toujours, alors à un moment il y aura au moins 2 minutes où on se tournait en rond, donc alors à ce moment-là je parlerai d'autre chose, je pourrais pas rentrer sur autre chose. Donc là, on se cherchait puisque le terminal est assez grand quand même. Alors là c'est surtout je suis beaucoup plus fort, je ne sais pas pourquoi, de loin, je suis presque imbattable de loin. Par contre de près, dès que tout ce qui est de près, bah je sais pas, je perds mes moyens. Donc voilà, vous verrez ce bug, ça en fera rire plus d'un, c'est que je, après avoir rechargé, je sprint tout le temps directement, c'est un réflexe que j'avais dans Modern Warfare, dans Black Ops. Et ça fonctionnait tout le temps. Et dans Modern Warfare 3, ça y est plus. Donc je cours et mon chargeur se rechargeait pas. Et c'est assez chiant. Donc voilà, de temps en temps, on se taquinait avec des fumigènes pour se faire repérer un peu. Donc voilà, malheureusement, c'est moi qui l'ai repéré en premier. Et bim. Coup mortel. Donc voilà, j'ai bien mis vie minuscule avec régénération lente. C'est un 1500 points, c'est-à-dire 30 éliminations et kill cam avec 360. Donc 360... No scope, quick scope, après vous faites ce que vous voulez, même des trickshots, même des Titanic si vous voulez. Enfin non, Titanic non, puisque je ne mets pas de couteau de lancer. Parce que voilà, je préfère pas. Hein. Donc voilà, là il m'a vu sur cette échelle et à chaque fois j'ai le seum. À chaque fois que j'arrive à cette échelle, pile poil à ce moment-là, il est toujours dans les parages. Je n'ai pas de chance tout simplement. Je suis maudit, eh ouais. Voilà, et hop, il m'a éliminé encore, là, ça commence à... Au début, c'était vraiment serré, comme je vous l'ai dit, là, on faisait 1-2, 1-2, chacun notre tour. Voilà, alors là, j'ai fait le piège qui est très intelligent, je me fais remarquer au bout du couloir, je vais au bout pour avoir un meilleur angle de tir, et bim, voilà, il n'avait même pas le temps de comprendre, vengeance. Donc, aussi, un truc que j'ai remarqué dans le terminal, c'est qu'en mode survie, ils ont bloqué l'arrière de l'avion. Non, remarque, ils ont raison, parce que ça aurait fait de la pelouse. Voilà, toujours à la recherche sur mon petit camion. On a vu le pseudo. J'ai mis aussi là tout tireur d'élite pour quand il est loin, comme là vous l'avez remarqué il y a à peine 10 secondes, on a vu le pseudo de mon adversaire.
ce qui nous permet de repérer plus facilement notre adversaire et mieux jouer. Donc j'essaie, voilà, et donc je ferai toujours des classes par défaut, c'est-à-dire vous aurez pas de vos classes, je ferai une classe L91 et MSR. Et je veux pas de barrette, même si vous me dites ouais mais je tire pas en rafale, mais à un moment en rafale c'est un réflexe, même moi j'ai déjà dit, tout le monde l'a fait, ouais je tire pas en rafale, après vous faites genre ah ouais c'était un réflexe, désolé. Voilà, donc je préfère pas avoir ces petits contraintes. Donc je préfère pas le mettre et j'ai mis un L91 avec chargeur grande capacité O2. Parce que je trouve que c'est le plus simple. Voilà, voilà. Donc là je ne sais pas quoi dire, parce qu'on se cherche. CH, voilà, là je l'avais capté et bim, encore une fois, il met directement. Des fois ça lui arrive une fois sur deux de me faire un kill très rapide, dont je n'ai même pas le temps de comprendre. Voilà, je lance une petite fumigène, donc oui aussi je mets des fumigènes. Du fumigène parce que ça c'est inoffensif et ça peut être ça se la joue plus tactique que des paras ou des flashs, hein. Tout le monde sera d'accord je pense, parce que se recevoir une paralysante ou une flash dans un match de sniper, t'es obligé de rager. Si tu rages pas t'es bizarre. Voilà, donc on stack. Oh, voilà, là il m'a eu un noscope, mais m'a fait peur, m'a fait sursauter, hein. Ah non, le pire où il m'a fait peur c'est quand c'est le seul noscope où j'ai réussi à le tuer. Voilà, hop. Là j'ai fait tac le piège, je contourne, tac. Hop, je fais genre je repars de l'autre côté et bim voilà. Toujours faire des pièges comme ça, genre vous tirez, vous faites genre que vous cassez, comme ça votre adversaire a le réflexe de vous suivre en sprintant et vous revenez vers lui, flash cop ou quiz cop, et vu qu'il est en plein sprint, ça lui prend un plus grand temps de réaction et donc vous avez plus de chances de l'avoir avant qu'il réagisse. C'est des petites astuces pour les débutants. Hein. Même les débutants peuvent s'inscrire, je serai plus indulgent. Non, je serai pas du tout indulgent. Je serai toujours au top. À fond. Voilà, souvent, comme vous aurez pu remarquer, si vous jouez contre moi, dans un... voilà, donc là, juste avant, je vous ai pas dit, j'étais concentré à parler, il m'avait fait un coup de couteau, et comme j'avais dit dans les règles, dès que je reçois un coup de couteau, ça me dérange pas, parce que je peux comprendre que c'est un réflexe, ça, je peux pas le retirer, donc, comme il a fait là, il s'est mis dans un endroit assez voyant, il m'avait dit, je suis dans le couloir, donc c'est pour ça que j'ai visé, je l'ai tué, parce que dès qu'il me fait un coup de couteau, je rattrape un kill, parce que c'est comme si il comptait pas, en fait. Voilà, donc en fait c'est équivalent, parce que les couteaux sont pas admis. Voilà, en même temps je vous rappelle les règles, ça peut être toujours utile. Donc là, l'échelle, comme je vous dis, l'échelle, et hop, je le vois, tout le temps. Voilà, hop, premier coup, j'étais assez content de moi là, j'étais guide. Alors là, ici, j'y vais pas souvent cet endroit, parce que en ligne j'ai eu les tics tout le temps d'aller là et toujours mourir, donc j'ai assez ragé là-haut, donc maintenant j'ai un réflexe d'éviter d'y aller. Donc là je sais pas par contre si le rendu cette fois sur Modern Warfare 3 va pas bugger, parce qu'à chaque fois que avec mon HDP vert je capture Modern Warfare 3, bah l'image n'est pas fluide et je ne sais pas pourquoi en fait. Mais bon, je ne sais pas. J'espère que cette fois sera beaucoup mieux. Donc voilà, alors Jeff du 27 avait aussi pris le L118A, désolé. Parce que il le trouve mieux, enfin je sais pas, on est un peu des deux, on est pareil, des fois on prend MSR, des fois on prend deux. Voilà, donc là j'ai vu la balle derrière moi, hop, action réaction, mais bon il m'a eu encore avant, toujours avant. Hop. Là nos scopes ça passe pas, c'est normal, je vous ai dit, je crois j'en ai mis qu'un, de toute façon vous le verrez, hein, parce que je serai collé à Jeff, hein. C'est la seule façon dont je peux rentrer un nos scopes moi, sinon c'est impossible. Donc voilà, on tourne en rond. Là je crois que c'est le moment où on tourne en rond. Je crois qu'on va tourner en rond pendant 3 heures. Je m'en souviens plus. Donc voilà, on se taquinait avec... Ah non, c'est pas là. On se taquinait avec les fumigènes. Voilà, donc voilà. Je sprint, voilà, ça fait deux fois que j'arrive pas à recharger, hein. Et ça m'énerve pendant la partie, je rageais à cause de ça. C'est ça qui me faisait le plus rager. Donc voilà, noscope, comme vous pouvez voir en killcam. Parce que je vous ai montré qu'il fait vraiment à 3 quarts du temps des noscopes. Et ça passe à 3 quarts du temps. Bah, il a vraiment une chance sur 2, même plus, hein, je dirais. 2 chances sur 3. C'est vraiment incroyable. Il a une chance de malade. Donc, j'aimerais bien. Ouais, je crois que c'est là où on va se chercher. C'est-à-dire, pendant au moins 1 minute et demie, 2 minutes, nous allons tourner en rond autour de la map. Mais on sera toujours à l'opposé. C'est-à-dire, on se croisera pas du tout pendant 2 minutes. Donc, je crois qu'à partir de là, on va pas se croiser d'un poil. Donc.
Voilà, donc je fais une petite parenthèse à partir de maintenant. Voilà, je vais juste parler de mon aventure sur Skyrim et de l'histoire des assassins. Donc je voulais vous dire qu'il y a la playlist, parce qu'il y en a qui commencent par l'épisode 2 ou l'épisode 3, c'est assez bête. Je vous dis commencez à zéro. C'est-à-dire vous cliquez sur la petite notation, le petit carré où c'est marqué playlist. Si vous savez pas ce que c'est une playlist, c'est-à-dire c'est un sorte de groupe de vidéos. Ça vous envoie dans un groupe de vidéos et ça commence par l'épisode 1 et sans que vous touchez à rien, ça fait zapper les vidéos. C'est-à-dire sans cliquer sur la vidéo épisode 2, ça vous fait zapper. Donc certains me diront, bah ça, tout le monde le sait. Mais je sais qu'il y en a, ils savent pas. Donc je préfère préciser, même si on me prend pour un con. Je préfère pour les débutants de YouTube. En vrai, c'était la petite parenthèse. Et bien sûr, il y a la playlist pour l'aventure Skyrim et l'histoire des assassins, bien sûr. Et je ferai aussi une playlist pour le duel au sniper, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent participer. Parce que le duel au sniper, c'est une idée. Je me suis dit, faut que je trouve un principe qui me plaise à moi, qui fasse participer mes abonnés et qui nous mette des challenges autant à mes abonnés et à moi. Donc j'ai trouvé ce principe et j'ai vu qu'il a beaucoup fonctionné. Donc merci de toutes vos invitations et bim. Voilà, ça fait au moins je crois 2 minutes qu'on était en train de se chercher. Et au bout du couloir, bim. Après je crois on a encore tourné en rond pendant moins longtemps déjà. Mais après je l'ai encore eu au long du couloir. Toujours c'est le couloir de la fin. Donc alors il y en a certains qui me demandent comment avoir le gun mode. Le gun mode, il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus, mais je vous avoue, j'ai pas trop le temps. Mais aussi, annonce à tous ceux, surtout faites tourner cette annonce. Je suis en train de me créer une chaîne secondaire. Vous le verrez dans les liens de partenariat sur ma chaîne. Vous cliquez sur ma chaîne qui est juste au-dessus, Linker27000, ou soit vous lisez la vidéo directement sur ma chaîne, mais bon, c'est rare. Donc vous allez sur ma chaîne et vous verrez en bas à droite, c'est marqué partenaire. Il y aura Toto27, surtout n'hésitez pas d'aller voir sa chaîne. Il débute, il me fait penser à moi quand j'ai commencé, donc je veux l'aider. On remarque aussi, je le connais. Et aussi, ça sera marqué chaîne secondaire Nintendo27 avec Jenny27, parce que ça sera ma chaîne secondaire. Mais elle sera dirigée par Jeff du 27. Enfin, je ferai les vidéos avec lui. Mais c'est lui qui répondra aux commentaires. C'est lui qui s'occupera de tout. Parce que moi, je peux pas m'occuper. Déjà, de ma chaîne, c'est assez long. Alors, je peux pas m'occuper de tout. Et voilà. Donc, je serai vraiment. Avec Jeff du 27, je serai vraiment 50-50 sur la chaîne secondaire. Il participera vraiment avec moi. Donc, on fera vraiment des vidéos de genre. Je ferai des SCP. Peut-être une série où je testerai des jeux de horreur. Vous m'en proposerez. Et je flipperai. Bien sûr, je me filmerai. Qu'on rigole bien, voir ma tête. Bon, je suis pas trop peureux, c'est-à-dire je suis pas trop à crier comme une folle. Voilà, donc j'aurai pas des têtes de malade parce que j'ai l'habitude des trucs qui font peur. Donc, voilà. Et voilà, on fera aussi du Minecraft. Peut-être, oui, on avait une série dans Minecraft qu'on pensait, c'est tester des maps aventure, des maps map aventure, map survie, et vous dire ce qu'on en pense. Donc on a un peu commencé, on en a testé quelques-uns. Et on fera une vidéo dessus et on vous donnera, nous donnerons nos avis sur la map. Est-ce que les débutants peuvent y arriver? Parce que moi, je suis vraiment Minecraft débutant. Même si ça fait longtemps que j'y joue, je suis tout le temps débutant. Je n'arrive pas à évoluer. Je ne sais pas. J'ai déjà du mal à construire un coffre, pour vous dire. À chaque fois, je me dis comment je construis un coffre. Là, tout le monde rigole. XD. Non, mais oui, c'est vrai en plus. Non. Et voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, je suis un niveau minable. Hein. C'est pour ça donc je vous donnerai vraiment mon avis de débutant. Donc voilà, là il m'avait dit, vu qu'on tournait en rond depuis tout à l'heure, il m'avait dit lance une fumigène pour savoir où t'es. Je lance ma fumigène comme par hasard, il est derrière. J'avais le seum. J'ai un peu rage, j'ai fait ouais tu dis lance une fumigène et tu es derrière moi. Mais bon voilà, il m'avait suivi et je me suis fait avoir, donc j'accepte cette défaite. Mais ça veut pas dire que j'ai perdu. Attention, c'est suspense jusqu'au bout. Donc je ne sais pas du tout le score, donc je ne peux pas voir. Ah si. Donc voilà, pour l'instant je suis en tête. Oula, là j'étais en accéléré là. J'étais en mode rapide, comme vous aurez pu voir. Donc j'ai la gâchette L1 assez rapide. Remarque aussi R1, ça suit. Donc voilà, là on a vraiment du mal. Au final il m'avait eu. Et c'est rare quand on arrive à me battre de loin, donc là je dis respect. Alors souvent il allait là-haut, c'est son spot. Moi j'étais plutôt genre dans l'avion, dans le cockpit. Donc voilà, si vous faites un match contre moi, regardez souvent dans le cockpit. Vous aurez plus de chances de m'avoir. Voilà. Comme ça, je vous donne une petite astuce pour pouvoir me battre. Même si je sais que je vais perdre. Hein, parce que je m'entraîne pas tous les jours. Je suis pas du genre. Voilà. Donc 2. Ah, c'est bon.
Au bout de deux rechargements ratés, j'ai réussi. Ça fait deux. Donc, je suis vraiment nul. Mais vraiment, je ne prétends pas être le plus fort. C'est ça qui est grave. Je prétends pas être le plus fort et je ne suis pas le plus fort dans les quickscopes. Mais je n'ai jamais été battu, quoi. À part une personne ou... S'il voit la vidéo, il se reconnectera, c'est Lunatic27. Il avait gagné, mais c'est parce que il y avait un mec à l'UMP45 qui avait intervenu. Et il me dira non, mais oui, il avait intervenu parce qu'il prenait tous mes kills. Donc sinon, j'aurais gagné. Donc j'ai aucune défaite. On pourrait dire une défaite 0,5. Mais c'est vraiment... Voilà quoi. Je refuse. Donc voilà, la vidéo est assez longue, 22 minutes. C'est pour ça, donc je pense... Je sais pas si je ferais tout le temps dans le dôme. Voilà, j'ai fait une petite tactique, je l'avais vu. Je l'ai tiré dans le bidon et bim, je l'ai eu. Petite tactique. Et le bug, si vous regardez en bas à gauche, c'est une voiture qui a explosé. Bien sûr, la voiture est sur le toit de l'aéroport. Bien sûr. C'est assez bizarre. Un petit bug de Modern Warfare 3. Donc voilà. Donc sinon aussi, je reparle un peu de ma chaîne secondaire parce que vraiment, je veux vous donner des infos. Donc on fera vraiment du n'importe quoi. Ça peut être autant du Minecraft, du SCP, du Battlefield, des délires. C'est vraiment une chaîne secondaire, c'est-à-dire toutes les séries, tout ce qui est principal, elle sera sur ma chaîne principale. Donc surtout, n'hésitez pas, même s'il n'y a aucune vidéo pour l'instant sur la chaîne secondaire, il faut pas hésiter à s'abonner, ça va démarrer, c'est juste on s'organise, on réfléchit à par quoi on va commencer, comment on va s'organiser, tout. Alors vous inquiétez pas, ça va commencer et je pense que ça va vous plaire. On va créer plusieurs séries, tout, ça va être quand même sympa. Voilà, je crois qu'on arrive vers la fin de la partie là. Voilà, là je crois que je suis à 20 kills pile. Oui, c'est ça, je suis à 20 kills pile. Et lui il en était à 17, 18. Oui, c'est ça, je crois, c'est 17. Et bah c'était assez serré quand même, hein. C'était assez serré. Alors là, oui, je faisais un saut, un jump shot, je sais plus qu'on appelle ça. Je ne suis pas un connaisseur du langage des quickscopers. Parce que comme je vous dis, je suis vraiment nul au quickscope à la base. Alors là, je n'ai pas compris, il était dans mon viseur. J'ai plus d'air, il y a encore moins dans le viseur. Voilà, donc là, je lance une fumée pour tactique. Voilà, donc il est parti. Il a trouvé mon point faible, je l'ai suivi dans la fumée, tac. Hop, il s'est retourné brusquement et bim. Et je crois que c'était un noscope en plus, donc ça m'a fait assez rager. C'est vrai qu'il a beaucoup de chance, il a beaucoup de chance. C'est pas d'expérience, c'est qu'il a beaucoup de chance. Attention, non je rigole. Non, il est très fort, très très fort. Bah au pire, si vous l'avez dans vos amis, Jeff, bah vous faites une partie avec lui et vous verrez son expérience. Puisque, oui, même s'il m'a jamais battu, il est quand même très fort. Alors là, on se cherche encore une fois. C'est pour ça que je pense que je vais faire plutôt dôme maintenant. Parce que, comme vous le voyez, une vidéo de 22 minutes pour un match de quickscope. Enfin, vous me dites si ça vous plaît que ça soit aussi long. Ou que vous préférez que ça soit moins. Voilà, c'était ici. Mon seul noscope que j'ai réussi, c'est juste en visant l'œil de Jeff. Et en plus, il voulait me prendre par derrière. Donc, j'ai un réflexe de malade de me retourner. Et réflexe, dès que je vois quelqu'un, j'appuie R1 ou j'appuie R3. Mais j'ai choisi R1 parce que R3, on n'a pas le droit. Donc, j'ai un petit temps de réaction quand même. Donc, voilà. Là, je suis exactement à 22 kills. Que lui, il en est à... Poulolo, 19, je crois. Non, pas 19. Attendez, je réfléchis. Non, il y en a 17. Il y en a, oui, il y a 17. Il y a 17 kills. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais dit 17, il y en était à 15. Je rectifie. Tac. Voilà. Toujours à se chercher. Pour ça, je trouve qu'on va... Ah oui, voilà. Là, il m'avait dit, il m'avait prévenu. Je fais ma campouse. Je l'ai cherché. Je me suis fait avoir en à peine 30 secondes. Après m'avoir dit qu'il campait. Je suis vraiment nul. Bon, là, j'ai fait un magnifique quickscope de loin. Il était pas mal, quand même. Ouh, lui aussi, je l'ai bien enchaîné. Bon réflexe. Je me vante en même temps. J'ai le droit quand même. Attends. Oh, on va se calmer là. Oh, je suis fier de moi. Parce que je sais que je suis nul. Donc je fais un truc bien quand même. Je veux le faire remarquer quoi. Je veux pas me faire passer pour un nul. Si vous remarquez, je suis nul en tout. En quoi suis-je fort? Peut-être en glitch et encore. Je ne suis pas le plus fort. Je suis youtubeur le plus nul. Ouais. Donc voilà. Là, nous sommes à 24 kills sur 30. Nous arrivons vers la gloire. Donc comme vous pouvez voir, je domine quand même. Au début c'était assez serré. Là je commençais à dominer, je commence à l'enchaîner. Et moi vu que j'étais lancé sur la vers la victoire. Et la victoire me tendait la main. Ouais. Et là bim. Alors là c'était magnifique.
Vous avez vu que son corps volait juste à la fin de la vidéo, vous aurez une petite surprise de son envol avec deux plans, deux angles où il vole. Voilà, mon noscope n'est pas passé, toujours pas, je vous ai dit. Le seul noscope que j'ai réussi, c'est le hitshot quand j'ai visé son œil. Il y a que comme ça. Et encore, j'ai failli le rater. J'ai failli le rater. C'est incroyable, je suis trop fort. Je suis king of noscope. Enfin, non, c'est pas mal. Là, hop. Quick. Quick. Ah oui, là, la tactique. J'avais visé le bidon derrière, je m'étais caché. Et boum! Tactique de malade. J'étais fier de moi, je vous avoue. Que ça fait. Il s'est fait avoir là-haut et à côté du camion. J'étais vraiment très fier de moi. Avec ma tactique, je sais bien, ça, c'est, il faut réfléchir, il faut profiter. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, il faut essayer de voir l'environnement qui entoure votre adversaire pour en profiter et vous en mettre à votre avantage. En fait. Donc voilà, là je réfléchissais, est-ce qu'il y avait encore des bidons, mais non, j'avais tout fait péter. Donc ça c'est bête. Donc voilà, là je commence à arriver vers les derniers kills. Là il me manque plus que 3 kills si je ne me trompe point. Il me reste plus que 3 kills, donc j'en suis à 27. Donc voilà, il m'avait fait une fumigène, donc ça fait toujours réfléchir à la fumigène. C'est pour ça que ça peut être très tactique, ça peut attirer l'œil de votre adversaire. Et vous pouvez le contourner pendant qu'il est attiré par la fumigène. Donc c'est pour ça que je mets les fumigènes dans la classe, puisque la fumigène, même si c'est une grenade spéciale très banale qui fait de la fumée, ça peut être très très tactique. Donc des fois j'en lance comme ça, pour attirer l'attention, pour qu'il vienne. Ou sinon, où je me dis, tiens, peut-être il va me contourner parce qu'il voit la fumée. Donc, moi, je fais de même. Comme ça, je le contourne. Voilà, donc là, je regardais s'il était prêt à la fumée. Là, on se cherchait, je ne sais pas. Ah oui, il était là. Bim. Oh, là, il était magnifique. J'ai eu un très bon réflexe, puisqu'il n'a même pas eu le temps de viser. Alors là, je suis au dernier kill. J'ai mis en mode démon, en mode 10. Donc, j'ai assez lutté. Enfin, assez lutté, ça va. J'ai pas trop lutté. Je m'en souviens pas trop, puisque ça fait longtemps que j'ai la vidéo. Mais je n'avais pas fait le commentaire. Donc voilà. Alors là je le cherchais là, toujours de la recherche. Pour ça je crois que je vais faire que dans Dome, parce que ce sera beaucoup plus réactif, beaucoup plus dynamique les combats. Et ça sera beaucoup mieux pour vous et beaucoup plus divertissant pour dire. Donc, toujours à la recherche. Et je crois que j'ai eu le premier coup. Non, voilà, hop, je tirais. Hop. Hop, hop, là je le cadrais et bim, ouais, magnifique. Donc nous allons voir la kill cam de victoire. J'ai gagné. Déjà une victoire pour moi. Et ouais, je suis trop fort. Désolé Jeff. Pourtant je suis que niveau 1 comme vous pouvez voir. Je ne suis pas le meilleur du monde, mais j'ai mes compétences. Je ne suis fort quand même. Un minimum. Donc magnifique kill cam avec une connexion pas à fond. Voilà, donc nous passons au bonus, le super saut. Bim. Regardez ce saut, oh là là, découpé avec le petit effet et regardez. Oh shit. Ben je vous dis bye.